d'un professeur derrière pour bouger tes fesses, quoi. Tu vois, enfin, non. Serveur Balgun, est-ce qu'on a vendu quelque chose? Allez, Balgun! Non, mais là, mon monde de bisounours, tu viens de faire une énorme révolution. Moi, j'étais encore au papier crayon pour mes calculs. C'est une révolution de dingue, hein, t'as vu? Ça arrive. Grenadables. Oui, non, mais attends, il y a des questions, il y a questions, héros. Là, là, la question c'était, ok, tu gagnes 2 millions par mois, ça te fait combien de jetons? Merde, quoi, enfin... C'est pas la même question, tu vois ce que je veux dire? Évidemment, s'il y a des choses à redire, à répéter, je pense que je suis le premier à le faire. Mais pas pour un calcul, enfin, comme ça, quoi. Ça reste du bon sens, voilà, c'est ça, c'est... Merde, quoi. C'est comme me demander 1 plus 1 font combien. Enfin, font combien. C'est... À un moment donné, t'es là, mais tu regardes ton écran, tu te dis quoi? Qu'est-ce qu'il vient de me poser comme question? On a vendu pour 50 gold, les gars. Tu vas acheter 2 enchantements pour les gants. Ah, Frida. Frida, 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 Frida. Bon, je rappelle le concept. Pour ceux qui n'étaient pas là hier. Le concept est simple. Nouveau perso, nouveau serveur, serveur allemand. Serveur en mode, voilà, totalement perdu. Il s'appelle Balgun, en référence à la Belgique. Balché. Balché. L'idée est simple. Se faire le jeton en 30 jours en jouant une heure par jour en mode casual et ouais, j'espère y arriver parce que pour l'instant c'est 50 gold dans la poche pour le premier jour. C'est pas que c'est décevant, mais c'est décevant, mais bon, c'est normal, c'est le début. Encore une fois, on est dans la mise en place, d'accord. On est dans la mise en place du Schmilblick. C'est quoi tous ces objets là? Ces âmes. Une pierre de foyer. Du fief. Waouh. GG. Je suis trop, trop happy. Est-ce que je peux supprimer ça ou pas? Si. Flita, supprimer. Ah voilà, c'est ça. Que c'était des trucs de... Des restes, en fait. Des restes. Bon, on prend une capture d'écran. Voilà, print screen. On publiera ça sur les réseaux sociaux, évidemment, pour montrer combien de sous je me fais par jour. On va vendre ce qui ne nous intéresse pas. Quoique les sacs en bressoir, il faudra que je les garde pour mettre dans ma banque. Comment ça, il n'est pas intéressé par cet objet? Ah ouais. Mais tu vas t'y intéresser, oui. Tu viens t'y intéresser, ouais. Non. Ok. Bon, pour cet épisode numéro 2, alors, on va profiter de la foire de Sombre Lune pour aller faire juste un petit peu de pêche. Et vous allez me demander pourquoi la pêche pour les hauts de feu de Sombre Lune, tout simplement. Je vais juste en avoir quelques-uns, histoire de pouvoir mieux monter mon métier. Donc je rappelle que j'ai pris Herbo Alchi, Herbo Mineur. Je vais juste retirer toutes les enchères et puis les remettre. Car évidemment, le but c'est d'être compétitif quand même. Ah, il y a une enchère qui est partie, du gongochiste. Ah, on aura 237 pièces d'or qui vont arriver dans quelques instants. Dans une minute. C'est bien.
C'est bien. Donc on a vendu tous nos gangues schistes en fait. Nickel. Crois qu'on peut faire un petit peu de. Un peu de achat-revente. Hein. À voir. Parce que je crois que le prix du minerai a baissé considérablement. Juste aller voir. Bonjour Talos. Ok, le counseling a eu lieu. Enfin, le congrès schiste sur serveur, il a une pièce d'or. Une pièce d'or 10, le 13 Game Master m'a dit. Ça va? Ça va, c'est chouette. Et quelle heure? 11h52. Juste vérifier un truc, hein, parce que là, il y a moyen peut-être d'aller acheter toutes ces gangues schistes là, parce qu'elles sont très peu chères, et de les revendre. Donc on va faire un petit peu d'achat-revente. Parce que là, elles sont à une pièce d'or et après ça passe à 5 pièces d'or. Donc on a investi, 100 pièces d'or. Allez, on va arrondir dans du gant de schiste. Le reste, je le laisse pour la prochaine fois. Voilà, comme ça. Je pense qu'on arrivera à poster au bon prix. Donc on remet nos petites enchères tranquillement. Ah, donc là, il va poster à 5,40 de toute façon, quoi qu'il arrive. Chouette. Par contre, il va en poster 50, je crois. D'un coup, vérifier pour voir. Ouais, il en a posté 50. Si, je vais mettre le
Enfin, j'espère, en tout cas. Sinon, ça ferait peur. Il y a sincèrement des fois où je m'inquiète pour certaines personnes. Hein. Enfin, pour être honnête en fait, il y a des fois où je m'inquiète. Je me demande mais pourquoi on est arrivé là? Comment se fait-ce? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ah, attends, on en revient à mon monde de bisounours. Quand tu parles du travail, tu veux dire quoi par là? Quelque chose qui a à voir avec la calculatrice? Répondrai même pas. Plus tu travailles IRL, plus t'as des bonnes journées. Ah ouais, ah bah ça c'est clair. Plus tu travailles IRL, plus t'as de gueule dans le jeu. Ah c'est vrai. De toute façon, moi je suis millionnaire en jeu parce que je suis millionnaire IRL chez Suisse. Donc forcément. En fait, avec les tutoriels Gold, je devrais commencer par là. Aller travailler. Je ferais pas des tutoriels Gold en fait pour gagner des sous dans le jeu en fait. Mais bon, j'ai pas tout compris. En tout cas, si tu es là, Mathusalem, s'il te plaît, rassure-nous sur le fait que c'était pas ça. Vraiment, je t'en supplie. Que par l'utilisation du mot rentable, que tu ne voulais pas dire qu'il était plus rentable de farmer en jeu, enfin de farmer IRL par rapport au jeu. Rassure-nous, parce que là, on est un peu en mode panique, hein. On a un petit peu peur. Ouh, des saucissons secs. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Marché. Très bonne idée. Non mais. On se moque, mais. Mais il a peut-être pas voulu dire ça, hein, on sait jamais. Hein. Merde, attends, j'ai oublié la. Vous savez quoi? J'ai oublié la musique. Si ça se trouve, on m'entend même plus. La VOD, tout ça, hein? Il n'y a personne qui a pensé à m'avertir. Vous êtes méchant. C'est pas très très gentil. C'est pas très très gentil, ça. N'irai pas au paradis. Ouais, vous n'irez pas au paradis.
On parle pas à la bouche pleine. Je sais, j'avale. Attends. Alors, tout le monde sait que quand tu bosses IRL, tu gagnes de l'argent sur WoW en même temps. De la même manière que quand tu vas faire un tour de vélo, ton perso bouge dans la même distance sur WoW. C'est rentable. Je suis d'accord. Non, vraiment. Attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Et t'as pas tout compris, toi. Faut pêcher dans le banc de poissons. Pas à côté. You know? Non, mais vraiment, c'est un conseil. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a quand même fait le calcul de combien ça rapporterait en termes d'heures en gold battle.net. Enfin, en euros bâtonnet. Et je te jure, j'ai pris peur. Mais va-t'en la mouche, nom de Dieu. Counasse. Elle a même poil de jambe, je sais pas pourquoi. Alors évidemment, avant d'utiliser la calculatrice, faut comprendre ce que vous calculez, hein. Ça va de soi. Parce que j'ai donné l'astuce de folie d'utiliser une calculatrice, mais il faut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi, hein. Genre ça ne sert à rien, par exemple, de calculer le temps qu'il faut pour emballer une femme, les sous qu'il faut sortir pour le restaurant, etc. avant de la mettre au lit. Hein? Voilà. Ne faites pas le rapprochement avec une fille de joie, hein, à côté, où vous sortez un billet de sang et puis vous avez la totale pendant une heure. S'il vous plaît. Il y en a qui seraient capables, hein. C'est pas rentable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je te jure. Au point où on en est, hein, moi ça me fait peur. Santé. Pas rentable, trop de sentiments. Bon, on a farmé une fois l'île. Je pense que on peut dire que c'est good, que j'ai assez d'eau de feu. Je vais juste ouvrir ces petits coffres. C'est assez, hein, normalement. Ouais, puis en plus il y a de la concurrence, donc ça ne sert à rien de continuer. Go les terres foudroyées. Juste pour voir ce qu'il en est. Ah, mais ça? Non, c'est pour avoir un mot de passe pour une facture. Oh. Alors j'ai 42 crocs et 12 hauts de feu. Cool. Ça me permet déjà d'avoir un petit peu de sous.
juste que je nettoie mon inventaire. On va faire les coffres et les élytres rares, on sait jamais. Sur quoi? Sur vous ou quoi? Et tu vas dans la première auberge de la forêt d'Halloween, tu vas avoir pour ton argent. S'il vous plaît, aidez-moi, help. Bonjour à toi. Mais je ne pense pas que ça existe, hein. La donne qui fait ça. Alors, ça foudroyer avant l'invasion. Yes. Yes, sir. Bon, est-ce qu'il y a des élytras? Yes, il y en a un. Déjà. Cool. Eh, hey, on n'entend pas ding, c'est quoi ce délire? Les sons sont totalement désactivés. Quoi? Mais non. Activer les sons. Voilà. On a une tentative déjà, une sphère. Et t'es obligé d'en rajouter comme ça à flou de Joe. Pas bien. Ça va. Tu cherches les fessées. Il y a moins que ça s'appelle Bouddha. Bon, quoi. Mmh, ouais, je veux bien, un petit truc frais. Ouais, non, peut-être pas une bière. Ouais, ce soir, une bière. Mmh. Un coca? Un coca, ouais, un coca. Ça va très bien. Un Fanta, un Sprite? Non, C'est pour faire les trois marques. Un coca, ouais. Je vais t'activer vite fait Gaz Armé 2. J'ai un doute sur l'emplacement des coffres. Donc, du coup, je vais utiliser Stadon. Notez bien son nom, Gaz Armé 2. Ok. Pour pouvoir voir l'emplacement des coffres dans la zone. Alors il y a les minerais évidemment, mais il y a aussi les coffres. Moi ce qui m'intéresse, ce sont les coffres. Donc s'il y a un coffre éventuellement, bah, il m'avertit. Par contre, tout ce qui est minerais ne m'intéresse pas. Un endroit rentable, plus rentable qu'un autre pour monter son minage rapidement. Moi j'utilise Légion, ça me va bien. Après t'es pas obligé, surtout si tu n'as hein, quoi. Non, Trace Master, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça vient de s'arrêter. Ah.
vais aller dans l'interface add-on GatherMate pour ne jamais afficher les nœuds de minage. Ça m'énerve à chaque fois. Ici, il y a un dragon normalement qui pop, mais il n'est pas là. Est-ce que mes groupes sont disponibles quelque part? Non. Pas tant que je n'ai pas terminé le profil que je suis en train de réaliser. Normalement, il y a un coffre aussi, pareil. Ah, est-ce qu'il est pop? Non. Il y a Bouddha. Bonjour, Katari. Donc là, je fais le tour des élytrards de... Il y a Terre Foudroyée. La raison est simple, hein, c'est juste que c'est un bon starter pour avoir des pièces d'armure transmo à vendre. Surtout avec les sphères. Je peux tomber sur la robe impériale de Shan qui vaut dans les 100 000 pièces d'or. Donc on tente la chance et en même temps je ferme les coffres. Les coffres vont me permettre d'avoir potentiellement une orbe de tromperie. Bon, y a quelqu'un qui est en train de buter les étoiles là aussi. Peut-être en train de faire la même route que moi en fait. Si je suis en train de voir, il est en train de faire les coffres là. Donc là il y a un emplacement de coffre là aussi. Donc il est en train de faire exactement la même chose que je suis en train de faire. Voilà. Et là il y a un élytrard, hop, il a eu. En gros. Hein. Donc je suis pas le seul à le faire. Hein. Mes métiers sont à 800 sur Frida. Non, je viens de démarrer hier. Hein. Mes métiers sont à 76 chacun. Donc il faut que je pexe. Tout à l'heure je vais pexer hein, d'ailleurs. Mes métiers. Si potentiellement il y a un coffre, il n'est pas là. Peut-être que l'élytrard sera là. On va plus que moi à l'autre. Tant pis. Ça ne sert à rien d'aller là. Il l'a tué. Fuck. Ok. Bon, ben j'en ai eu un quand même. Un petit fragment. Je viendrai tout à l'heure pour retenter ma chance. J'ai 179 gold. C'est pas assez pour une barre en cuir. C'est pas assez pour un étrier. Donc on apexe un petit peu le métier de minage et herbeau. À l'ancienne. Est-ce que tu vois ce saucisson? Non. Voilà. Okay. Pourquoi tu te transformes pas en loup? Parce que j'ai toujours pas mis les trucs. Voilà. Il n'y a pas de quête ici. Ou bien? Donc j'ai déjà le rang 2 en... Non, le rang 1 de Rose Lume Étoile. J'ai fait proc le rang 2, je crois. Arbor History, là. Allez, vite faire la quête.
trouve des grottes avec 3-4 minerais dedans, prends la donne World Quest Group Finder et Suite de Realm. Ouais. Sauf que je ne ferai pas de herbo. Donc, c'est vrai que c'est le plus rentable hein, de faire ça, hein, Grand Alol. Mais je vais le faire parce que je dois monter aussi de l'herbo. Ça c'est vraiment rentable hein. Et d'ailleurs tu prends la macro qui est là normalement hein, que je l'ai. Attends, est-ce que j'ai un double son là? Ouais, attendez, système, son, musique, non, ok, non vrai. Donc oui, il y a une macro qui est pas mal. C'est celle de minage ici là, sur Amar. Je l'ai partagée hier. Elle est normalement disponible sur WoW Profession. Je le link sur le chat. Sap d'herboriste, paf, ok, puis je dois le rendre à Dala, c'est ça? Oh misère, bien d'aller-retour. Hein. En fait, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est les trajets, c'est très très chiant. Donc aujourd'hui sur Frid, donc on a fait les terres foudroyées déjà, on a été à l'hôtel des ventes, on a ramassé un petit peu de sous, mais pas assez pour véritablement investir. Ni quoi que ce soit, on a juste été à la foire de Sombrelune pour chercher les crocs de lame de Sombrelune, de l'eau de feu de Sombrelune aussi, histoire de pouvoir miner et faire de l'herbe plus vite. Je montrais un tout petit peu de donc ma compétence minage et herbeau encore. Ça c'est la première étape, hein. On pose les fondations vraiment pour que le personnage soit le plus optimisé possible. On va mettre la musique un tout petit peu plus forte. Donc l'idée c'est de passer au minimum 375, voire 400 si je peux. Foutre le camp à Wotelka. Il y a Wotelka, faire du minerai de saronite, minerai de titane aussi. Et ensuite, donc aller à Mop, si on peut, à partir du niveau 400. 450, non, c'est 4, oui, c'est 450, hein, je crois. Ou 500, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je sais plus les paliers. Salut le jambon. Avec un druide ça aurait été plus simple pour herbo minage, non? Non. Pour les premiers temps, oui. Mais pas pour après. Parce que tu as exactement les mêmes améliorations avec des objets forge et travailleurs du cuir que tu n'as pas besoin forcément de faire avec un druide. Il y a juste le vol instantané qui est cool lorsque tu... Et la cueillette des herbes, donc assez rapide. Lorsque tu es donc un druide, mais sinon t'as pas besoin. T'as vraiment pas besoin. Encore une fois, tu tapes minage sur le chat. Et tu as... et tu as les listes des améliorations qu'il faut. Pour bien
farmer efficacement. Là, ici, il y a quelques points à chercher pendant que c'est de l'enrichiste. Le world boss, c'est quoi? C'est des ressources de domaine, donc ça m'intéresse pas. Ici, il y a de la gangrèche. Je pense pas que ce soit très très cher la gangrèche. Ça a bien baissé quand même. Est-ce qu'il y a une commande pour voir la liste des commandes? Non. Je ne crois pas que mon bot puisse faire ça. Ouais, faudrait regarder. Donc sur... Est-ce que tu arrives à le faire? Si tu arrives à le faire, c'est cool. Moi en tout cas, je sais pas comment faire. Je sais pas s'il y a une commande existante déjà, je pense pas. Allez, on farm. Ça, ce qui est chiant, c'est toi que t'as pas de barde ou pas de. Ouais. Donc d'étrier. C'est que t'as gros. Tu as gros et tu peux pas s'en sortir. Là, combien là? Une demi-heure, c'est ça? De jouer aujourd'hui? On va passer une demi-heure à monter son métier. Gentiment. Je pense. Est-ce que t'as réussi? Tu la link? Oui. Où ça? Sur le chat? Je vois rien. Regarde. Ah oui, d'accord. Oui, je le vois. C'est vrai que quand toi tu parles, c'est Lesia, c'est pas Illumiel. Oh bordel. Ça m'a perturbé, mine de rien. Putain, attends, mais elle a rien link. Sans Argeras, yay! Décolle supplémentaire. Très important d'avoir les rangs. Donc le rang 2 des roses, c'est le Sans Argeras. Ah, par contre, j'en ai pas sur le minerai pour l'instant. Le concept vraiment cool pour les débutants, ouais. Ouais, c'est vraiment pour eux en fait que je fais cette petite série. Ça va durer 30 jours, voilà, jusqu'à BFA. Ça me permet aussi à moi de changer un petit peu, de faire une espèce de. C'est pas un tutoriel, c'est pas vraiment ça le mot. Hein. C'est vraiment de pouvoir peut-être dire aux gens bon, ben, voilà, c'est possible. C'est possible de se faire ça en fin d'extension. Sans forcer, en partant de zéro. Sans être comme un dingue en train de farmer. Juste en bien planifiant les choses.
une heure de farm, enfin par jour, c'est suffisant. Salut Astavid. Hier on n'a pas eu de sous. Nous n'avons pas gagné de sous. Mais encore une fois, hein, la première semaine, c'est pas là où on gagnera trop de sous. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est après. Là, c'est un petit peu la mise en place. C'est, on va dire, la partie la plus chiante, en fait. La moins agréable, monter un métier. Et tout ça gratuitement. Bah oui. C'est créer son empire. Parce que mine de rien, les aventures de Frida à la prochaine extension pourront être tout à fait viables. Je risque de continuer la série hein, si ça plaît aux gens. Pouvoir dire bon ben voilà, j'ai une heure de jeu enfin par jour de consacrer au farm, je peux faire quoi pour me faire des gold, c'est quoi le plus rentable, le quoi le plus intéressant au moment où je fais la vidéo, en gros ça pourrait être chouette même pour la prochaine extension ou quoi. Donc de prendre la série. Genre Gold for Casual. Hein? .com. Donc là vous voyez peut-être que je ne fais pas certains points. Parce que j'estime que c'est perdre trop de temps. Par exemple, ici, il y a une rose, d'accord, mais il y a un lad. J'ai pas envie de perdre du temps. Je préfère largement voler, aller ailleurs, miner autre chose ou bien cueillir autre chose plutôt que m'emmerder à descendre de la monture pour tuer un mob. C'est pas outil. De mon point de vue, en tout cas, c'est pas outil. Salut Fox. Combien de sang de ça il reste déjà? 3? Cool. Ça c'est plutôt chouette. Ah ça monte plutôt pas mal. Je suis quasiment à 100. D'atteindre 100 de compétences. Toujours un palan, moi pour BFA, je dois trouver mon main spé, mais je doute sur 2 des 3 spé sur le voleur. Il faut voir sur la bêta,
que ça donne. Après, prépare-toi à jouer les trois, hein, je pense, non? Je sais pas que c'est un léger en ce moment, tu penses quoi pour faire des golds en ce moment sur B? Hein? Tu penses quoi pour faire des golds en ce moment? En ce moment, il faut farmer des vieilles compos. Ça dépend du métier, hein, encore une fois. Ou bien des volatiles, si tu n'as pas de métier. Sur Battle for Azeroth, il y a le top 6 des métiers. Au tout début de l'extension, ça va être mineur, herbeau, dépeçage. Ça reste du classique. Ensuite, on partirait sur la calligraphie avec les contrats qui vont se négocier à très bon prix, je pense, au tout début. Évidemment, les suites de Sombre Lune, toujours aussi intéressantes. Elle est où la plante? Fuck. Non, ça se trouve pas, c'est pas grave. Donc la calligraphie, hein, l'alchimie, évidemment, pour les gens qui font faire du mythique plus, ainsi que l'enchantement, pour optimiser évidemment toujours dans la même optique, viser les gens qui vont en mythique plus au tout début, et ensuite, gentiment faire les autres métiers à côté. Il y aura de toute façon des possibilités sur tous les métiers, hein. Que ce soit couture, forge, travailleur du cuir. C'est juste qu'il faudra faire des armures tout simplement et puis compter sur des procs pour pouvoir se faire des golds. Donc au tout début d'une extension, il y a tout qui marche relativement bien. Mais surtout, et essentiellement, ce qui va être assez intéressant, c'est de vraiment de prendre le temps de monter ses rangs. Rang 1, rang 2, rang 3. Plus vite vous obtenez les rangs 3, mieux c'est. Entre le rang 1 et le rang 2, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de monter la compétence de votre métier. Et puis vous aurez automatiquement le rang 2. Le rang 3, par contre, il est un tout petit peu plus chiant. C'est qu'il faut des réputations souvent. Dans la prochaine extension. Donc du coup, les réputations sont super, 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 super importantes. D'où le fait de miser sur la calligraphie et apprendre un contrat qui permet de augmenter la réputation plus rapidement en faisant des expéditions. Des objets qui permettent de ne pas descendre sa monture lorsqu'on farm. Oui, hors île brisée, non. En dehors des îles brisées, t'as rien. Oui, il y a le golem céleste éventuellement. Ouais. Pour les plantes. Il y aura à la prochaine extension par contre une monture où on pourra la faire en 1G pour ne pas descendre sa monture en minant. Ce qui risque d'être chiant. Alors évidemment, il y aura le même système hein, de la barre d'endémonium et puis les étriers. Dans les mêmes métiers respectifs. Mais ce qui va être chiant avec la monture 1G, c'est que on ne va pas pouvoir. Enfin, il n'y a pas une monture qui fait les deux, en fait. Herbo et mineur. Il y a soit mineur, soit herbo.
mine en visier. Est-ce que je prends le risque? Allez, on prend le risque. Oh, c'est passé tout juste. Cool. Tu as chopé une robe à 100k? Laquelle? On dit pas que tu as eu la robe impériale de Shan. Oh, t'as foudroyé. T'as eu la robe impériale de Shan. Cool. GG. Mmh. Ouais, ça va un peu mieux. Est-ce que t'as ouvert la fenêtre? Non? Le café ça donne chaud. Tu crois? Bon, on aura des bruits de casserole, hein, mine de rien. La dubstep pendant, pendant toute cette série. Il faut vraiment que je me construise une playlist libre de droit. Comme ça, au moins, je vous fais pas subir de la dubstep. Monster Cat ou No Copyright Sound. On a combien là? 49 minutes. Cool. Faut que je me rapproche. Ouais. Donc on pousse jusqu'à 1h. 1h dans le timer, évidemment. Après, on refera un tour du côté des terres foudroyées. Pour voir s'il y a quelque chose, juste m'assurer que la pierre de foyer est up, oui, ça sera up. Donc comme ça on va pouvoir revenir à Dala en mode tranquillou. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la pierre de foyer de Dalaran. Et j'ai juste l'ancienne. Normalement je devrais avoir les deux. C'est bizarre. Vous estimerez à combien de temps pour monter un métier? De 1 à 800? Ou de 1 à 400? Non, non, non. Mineur herbo. À 4 heures? Ça ferait 100 points par heure? Là j'ai fait 50 points en 10 minutes je crois, ou non, en un peu plus, en 20 minutes. Quelqu'un peut me faire le calcul pour que je ne puisse, enfin pour que je ne n'interrompe pas mon farm. Oh il est vite. Mob de merde. J'ai fait 50 points en 20 minutes. Non mais Dieu. Meurs.
histoire d'estimer à peu près combien de temps il me faut pour être assez pour être en Orphandre. Parce que le but, c'est pas que je reste dans Légion, hein, c'est juste de faire les 400 premiers points et ensuite d'aller foutre le camp du côté de Légion, de Wotelka. Et ensuite de pouvoir farmer de la saronite et du titane. Histoire de me diversifier un petit peu et pas forcément rester sur un minerai qui n'est pas forcément très rentable. 5 heures pour arriver à 800. 5 heures? 800. Non, ah oui, ça c'est. Ok, ça c'est 800. Donc la moitié, ça fait 2 heures et demie. Ok. Donc il faut que je mette 2 heures et demie de mon temps sur Frida. On va calculer, on va tout calculer. Faut de la motivation, hein, tout simplement. Pour arriver à ses fins. C'est vraiment le côté un peu plus. Un peu moins drôle en fait. Hein. C'est vraiment le farming de Légion. Au niveau des plantes et au niveau des. Et au niveau des minerais. Surtout si ça rapporte pas grand chose comme là. Genre le minerai de tellurium, il est extrêmement bas. Il est à quoi? Il a 2 gold. Minerai de gant richiste, il est à 5 gold, on l'avait vu tout à l'heure. C'est pas motivant quoi. C'est pas du tout motivant. Mais bon. T'as juste les roses lume étoile, mais les roses lume étoile que j'ai mis, elles sont pas parties. Et là, elles ont pas l'air de partir non plus pendant la session de jeu. J'ai pas eu des alertes en comme quoi j'avais vendu quelque chose. Si je devrais identifier enfin la chose la plus compliquée à gérer pour un débutant. C'est vraiment le manque d'argent en retour. Le sentiment d'avancer, de ne pas du tout avancer en fait. Ça, c'est un gros, 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 gros problème qu'il faut surmonter lorsqu'on est un débutant, hein, en tout cas dans les golds. C'est de se dire, merde, j'ai investi du temps, mais je vois pas le résultat. Pour l'instant, tu ne peux pas encore. Mais il y aura une espèce de boutique où tu pourras échanger tes points. Contre des cadeaux. Le premier cadeau, il est à 25 000 pièces d'or. Enfin, 25 000 points. Le deuxième, c'est à 50 000 à peu près. C'est pour les gens les plus fidèles, hein, évidemment. C'est pas pour. C'est pas pour les randoms. Tu me conseilles de la vendre? Moi je pensais la garder pour BFA, mais bon, c'est ma première grosse pièce donc j'espère. Bah, c'est à toi de voir. Si t'as l'âme d'un collectionneur, tu peux la garder pour toi, mais sinon, on vend là. Hein. Elle est très très rare hein, quand même. Je pense pas que t'arriveras à en tirer plus que 100 000 pièces d'or de toute façon, même à la prochaine extension. Des cadeaux d'en haut, ben non, c'est des cadeaux physiques. Oui, et ça peut être aussi des cadeaux d'en haut. Hein. Ça peut être une monture, ça peut être une mascotte, ça peut être un mois d'abo, ça peut être plein de choses électroniques, mais aussi et surtout des cadeaux physiques que j'envoie directement par colis aux gens. Genre par exemple une bière belge, donc avec un sous-bock, avec
Un chocolat suisse et belge. Un mug, etc. Oh, le basilic. T'es pas content, puis pour avoir des points, rien de plus simple, hein, il suffit juste de d'être connecté. Et de regarder le live, tout simplement. Les subs gagnent 3 fois plus de points. Et puis, puis il y a des points bonus évidemment qui sont accordés si vous participez donc à des événements en jeu avec le live. Alors, par exemple, si vous faites un loot à présent challenge, si vous faites un retweet de mon annonce de live, des petits points bonus comme ça, le jeu du ding par exemple. Il faudrait d'ailleurs que je fasse EDC sur ce personnage pour voir si la mascotte elle tombe. Mais bon, c'est pas la priorité pour l'instant. Je vais quand même le faire peut-être cette semaine déjà. Est-ce qu'il y a d'autres trades comme ça prioritaires, mine de rien? ICC, non. Quoique. Merde, j'ai pas de tag. J'étais en train de réfléchir en même temps. Mais j'ai pas de tag côté ordre. Mais vu qu'ils sont sur le même compte. On arrive bientôt à la fin de la première heure, exactement. On arrive même à la fin là. 59-33, je fais encore 2-3 trucs. La pierre de foyer elle est up. Alors on va du côté de Merci Soul. Salut Latan. On va aller du côté des terres foudroyées. Voilà, 1 heure passée. Là-bas, c'est pas rentable. Hop. On abandonne un tout petit peu le métier de minage et herbo. On a réussi à être 149, je crois, en minage. Donc j'ai fait encore 75 points. Aujourd'hui. Et j'ai fait 70 points à peu près en herbo. Donc 150 et 140. C'est cool. Ça avance gentiment. On va juste faire le tour des terres foudroyées à nouveau. Vu que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui farmait. Ça pop toutes les 30 à 45 minutes donc. Donc on optimise. Faire le tour, on sait jamais. Hein. Et puis c'est bien aussi de changer un petit peu de contenu. Terres foudroyées. De la vente. Alors on est sur un sur l'ancien truc. Ici je vais faire aussi un petit farm vite fait. Il y a une petite mascotte ici qui peut tomber. 150, j'ai toujours des pépites hein. J'ai quand même miné cette fois-ci du thorium. Surtout tenter ma chance ici pour avoir des une mascotte peut-être. Boîte scellée par le temps.
Bon, ben, t'y vas. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un côté Horde de farmer le jeune dragonnet sombre? Donc là aujourd'hui on pousse à 2 heures si jamais, parce que demain je ne suis pas là. Tout simplement. Donc on fait le jour 2 et le jour 3 en même temps. Hein. Soyez pas surpris de ne pas me voir arrêter. Salut Citron. Bon bah essayez pas plus. Hein. Honneur au roi. De la fin. Je suis sexy et ça t'excite. Coucou. Coucou. Merci beaucoup pour le soutien. Pour le resub. Re-bienvenue, re-welcome. Pas là, ça n'a pas besoin. L'herbe dans ce coin, c'est pas très rentable. Oui. 150, yay! Pas de coffre. Là non plus. Il y a quelqu'un dans la zone, là là là. C'est pas le même que tout à l'heure. En revanche. Ici il peut y avoir un coffre, il n'y a rien. Je me sens même encouragé par Illumiel qui me fait un petit massage. Moi, c'est très très bon ça, tu sais. Elle parle pas. Est-ce que le dragon est pop? Je mens pas. Est-ce que Gunther là là? Un petit cochonnet. Gunther? Touch my tralala. Touch my tralala. Il est pas là. Il n'est pas là. Hein? Y'a quoi? Rien. J'ai pas entendu. Du touch my tralala. Touch my tralala. Rien, ok. Ça c'était pas nécessaire par contre. Jesus. Y'a pas d'électra en fait ici. C'est bizarre hein, pourtant c'est un serveur peu peuplé. C'est fou hein.
ça devrait être très vite. Il y a beaucoup de monde dans le monde. Oh, les inter-serveurs, hein, je pense. Même si le serveur il est sous-peuplé, je pense que, qu'il y a des interconnexions après. Il est connecté avec deux, mais maintenant c'est peut-être un. Si c'est un PBE. Ah, il y a un élite. Élite rare. Yo. Lol. Là. Ah. Un bon. Sachant que les PBE ils sont forcément droppés tous ensemble. Ouais, ça c'est un PVE. Ça je prends toujours des serveurs. PVP, RPPP, ouais, c'est vrai que. C'est les moins peuplés. C'est les moins peuplés de tous, ouais. De toute façon. J'ai fait. Vraiment au bol, hein. En mode random. Oh, t'as vu un mot. Ça, j'ai vu un mot. On dirait la Belgique, très bien. Frida en Belgique. Salut Carlatos. Coffre. Le petit élytra n'est pas là, le coffre non plus. Un autre, donc deux élites. Celui-là n'est pas pop. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller du côté de Norfandre pour aller faire EDC, vite fait. Bien, est-ce qu'on retourne à Dala? Ma tâte. Dans les coffres en soi, ils peuvent pas pop ici. Il y a des coffres en soi ici. Je vais juste aller voir là. Juste au nord. Salut Seiko. Tu penses qu'entre le mage et le hunt, lequel a le plus d'AOE? Le mage. Dans un contexte gold, hein, en tout cas. Plutôt le mage. Je voulais aller à EDC.
Oui, EDC, oui. Mais pour ça, je dois aller à Dallas. En fait. C'est ça que je vais vous dire. Un pseudo pour toi? Non. J'en ai aucune idée. Bon, ce qui est bien, c'est que la semaine prochaine, je peux annoncer qu'il y aura un groupe Corium côté Horde. Ça, c'est chouette. On pourra organiser un groupe côté Horde pour du Corium. On avait l'habitude de le faire côté Alliance. Là, du coup, je pourrais le faire côté Horde. Ça, c'est chouette. Il y a un coffre ici. Oh. Je vais l'avoir là. Ah, mais c'est à l'intérieur. Merde. Fuck. Pourquoi je suis venu ici, moi? C'est juste. C'est à l'intérieur du. C'est à l'intérieur du truc. Lui là. Je vais encore me perdre, tu vas voir. Je te jure, je vais me perdre. Attends, déjà, comment est-ce qu'on rentre là-dedans? C'est là. Ah? Ouais? Attends, tu me corriges au cas où si je me trompe, hein, d'accord? Donc il y en a un là. Ça va, c'est pas trop compliqué. Peut-être dans les étages supérieurs. Ouais. Ici, y a rien. Ici, y a rien non plus. Tu avais jamais pensé à aller faire cela de quoi? Ouais, bah parce que c'est une zone reculée en fait. Il faut aller dans l'eau, c'est casse-bonbon quoi. Descendre. Alors que, en théorie. C'est là où justement il pourrait y être. En tout cas plus souvent. Tu m'as pris pour un champignon des plages? Mmh. Et s'il n'y est pas? Oh, on fait le tour. Hein. Là, 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 là. J'aime bien faire le tour. De compter même bâtonnet, comment fais-tu pour inviter un perso qui n'est pas sur le même serveur? Slash invité. Le nom du personne, l'âge et voilà et le serveur, le trait d'union et le nom du serveur. Il n'est pas là. Alors on a fait le tour là. Là on revient au tout début vers l'instance. Non, on a fait le tour hein. Il n'y a rien. Rien du tout. Bon bah tant pis. Hein. On va aller à Dala. C'est bizarre que j'ai pas ma pierre de foyer, ça me stresse. C'est quoi ça? Guide de survie. Ah. Ok. Rien à voir. Ça
Ça c'est quoi ça? Kit de survie de l'invasion. Wow. Ok. Tu as la pierre de foyer dedans. Non, il n'est pas là. Ah si, là. Ah oh, merveilleux. Waouh. Je peux les faire redescer sans craindre quoi que ce soit. Cool, merci. Allez, sésame et moi, ça fait deux quoi. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout ça. Je vais te faire une quête. Le gang de schiste vivant, c'était très bien. Alors on va faire EDC vite fait. Dala, hein. Ici. Il y aurait quoi comme raid à faire pour des mascottes BWD? Ça peut être pas mal, hein. La descente de l'aile noire, vite fait. Et puis BWD. Une fois par semaine. Cratère de Dalaran, Karazhan, Grotte du Temps, Chatra, là. C'est histoire de varier. Un peu. Mais pas tout le temps se focaliser sur le minage et herbeau. Faire EDC. Le temps du vol, je vais juste me faire un petit dive cabillaud. J'arrive.
Et me revoilà. Et bah tout juste, hein, mine de rien. Tout juste, c'est cool. Couronne de glace. Paf, il faudra que j'aille à nouveau dans la forêt de Sombrelune, mine de rien. Pour rechercher éventuellement des autres feux. Des crocs, histoire de les vendre. Encore aujourd'hui. Attends, je vais juste faire EDC vite fait. En mode 10, 25. 25. Hein. Donc je n'ai pas le droit de vendre des mascottes que je n'ai pas, hein, évidemment. Enfin, des mascottes que je loot sur d'autres serveurs. Hein. Vous avez besoin de quelque chose ? Ah. Je dois le faire en normal. Que la journée soit bonne. Que la journée soit bonne. Oh là là. Je suis en normal là. Il me fait mal au cul ton truc. Hein? Enfin, c'est uniquement pour alterner, un truc comme ça. Attendez. Ok, premier défi. Bienvenue champion. Bienvenue champion. Ouais, force et honneur. Force et honneur. En une demi-heure, hein, c'est ça, il me reste 35 minutes de jeu sur ce perso. Calme, vous êtes sage sur le chat, qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont en train de prier pour que la France passe. Quoi? Ils sont en train de prier pour que la France passe. Pour ça. Ah, c'est gentil, Spino. Merci beaucoup pour le tweet, je viens de le voir. Pêche. Vaut mieux appeler métier maintenant ou attendre le pré-patch? Montez maintenant. Le pré-patch ne va pas être très très bon. Okay. Rien eu. On se casse, on va aller à la foire de Sombrelune, hein, c'est ça, on l'avait dit. Pour faire encore un tour. Bonjour Funky. Qu'est-ce qu'il ferme dans ce donjon? Le premier boss, il y a une mascotte qui vaut entre 20 et 30 000 pièces d'or. C'est d'ailleurs la seule raison que je fais ce boss. Hein. Après, généralement, je me barre. Ah, le fief pour gratter quelques points, évidemment. Quelques points de compétences. On va le faire, hein. Même si ça ne donne quasiment rien. Hein? Ouais, Sombrelune aussi, ouais. C'est pour ça que je vais à la Sombrelune. Évidemment, là, c'est chaque fois un point. Il n'y a rien. Même si l'herbeau n'est pas forcément terrible. Des derniers instants. Je
C'est un petit fief ça en fait, hein. C'est pas un gros gros fief. Je crois que le fief arrivait au niveau 3. Mais en fait non. Hein. Enfin, il arrive au niveau 3 mais avec les bâtiments peut-être inférieurs. Est-ce que j'ai emmagasiné quelques pièces d'or? Pas grand chose. Là, je suis à 800 gold. Je suis à 800 pièces d'or pour l'instant. J'ai rien vendu quasiment. J'ai eu 100 pièces d'or de vente. Tout comme ça. Donc, pas énorme. Hein. J'ai pas eu d'alerte non plus de vente là. Ça c'est fait. Je vais aller du côté de fer de lance. Je vais aller directement à Jeanne de Tanan. Peut-être aussi. Ça c'est peut-être un bon plan. À y aller vite. Vu que je suis juste à côté. Histoire d'aller choper peut-être les trois élytras qui peuvent donner une petite un petit jouet à chacun. Peut-être faire Nefa. Non. Ça rapporte trop peu. Nefa. C'est beaucoup trop peu, vraiment. Ah, oh, il est pas pop. On va attendre 5 minutes. Hein. On va voir si le premier est pop. Très très bon, Taverine. Hein. Dommage qu'il n'y a pas pensé. Premier les pop, cool. Allez, s'il te plaît, donne-moi un petit loot. Ça serait chouette. Pas beaucoup d'armure. Hein. À mon avis, les raids, je vais les faire en 10. Genre en 10 normal, je sais pas. Quoique. EDC, ça passait bien en 25 normal. Attends, il est pop ou pas? Non. On va y avoir l'autre. Tu conseilles de farm les raids WTLK à partir de quel niveau par rapport au rôle? Hein? Au niveau 100. En tout cas pour faire le roi Lich. Au minimum. De toute façon c'est uniquement le roi Lich qui est intéressant et puis le premier boss de EDC. Hein. Le reste... tu prends même pas la peine de le faire.
tout. Nada, que dalle. Niente. Allez, go foie. Après, ce cataclysme, c'est bien de le faire. Je trouve. Ce de la descente de l'aile noire. De. Et puis le bastion du crépuscule. Découverte Ashran. Corps gris. Bon, après, t'as déjà niveau 5. GG. Ça va vite, hein, les premiers niveaux. Hein. Très très vite, même. Emmenez-moi à la foire. Je vais chercher les 5 points minage, 5 points herbo. Salut Katsu. Katsu, hihihi. C'est pseudo. Bah écoute, ça va, impeccable. Impeccable, impeccable. Je suis avec Frida. Meine copine. Non, pas man général. Compétences de minage, ok. Il faut que je recycle les trucs. Hop, débris. Je crois que c'est des débris. J'ai mis des enchantements d'intelligence partout. Tu racontes. Bon, ça c'était pas obligatoire, hein, mine de rien, de faire ça. Parce que ça prend plus de temps qu'autre chose. Non? Pour un métier de récolte, oui, pour un métier de récolte. Ouais, pour un métier de production, c'est cool. Mais pas pour un métier de récolte, à part si t'es vraiment genre minage à fond quasiment. Là, d'accord, parce que les derniers points sont vraiment infâmes. Mais bon, ça fait toujours un petit rappel. Pour ceux qui nous voient peut-être en redifféré. Plus non. Ah, il y a des hurleurs. Il y a des hurleurs de froid. Pour ceux qui sont à la foire de Samorin, si quelqu'un veut, laissez à Loulou.
du côté Horde. Vu qu'il y a des. Il y a des rôdeurs. Je sais pas qui, qui est en train de les faire. Je pense que c'est les gens du serveur, hein, tout simplement. Je vais essayer de profiter de me glisser dans. Dans un des groupes. Oh, il est peut-être seul le mec. Hein. Il y en a qu'un, deux. Il y a deux personnes, ils se regardent un petit peu dans le blanc des yeux. Évidemment, essayez de venir vite. Hein. Car à mon avis, ça va pas. Et je ne fais qu'une tentative. Je ne fais pas plus. Frida. Cette musique. Vas-y copain, tape. Parfait. Salut maître Alan. Il est où le clou? Et c'est un grogneur. John niveau 4, GG. Ok, Crodin est là, c'est parti, on tape. Je claquerai évidemment la furie. Il est déjà pull. Cool. Essaye de faire vite Arsenicer. Ok, bonne chance tout le monde. Une fourrure et une patte. Ok. Frida. Ok, donc une fourrure que je vais pouvoir vendre. Et un jouet que je vais pouvoir vendre aussi. Merci pour le groupe, c'était cool. Je m'en vais à mes occupations. Je sais plus comment ça coûte cher les popos de 300% XP. Ouais, pas vu. Elles ont été retirées du jeu. GDL, gaz armé 2. J'ai pas les coffres sur la map, manque-t-il une dépendance? Non. Peut-être le data.
Essaye de voir si tu as le data aussi. Donc le gathermate data. Et deuxièmement, tu dois aller dans interface, pardon, add-on gathermate, et de cocher que les nœuds de trésor soient toujours affichés. Si tu n'affiches pas ça, ils vont pas apparaître. Ah, quelqu'un qui pêche. Normalement, il vient avec, non? Il me semble. Oh là, il y a un nouveau 110 ici, ça sert à rien que je sois là en fait. C'est ça l'idée. Vous savez quoi, on va aller à Dalaran et puis on va refaire un quart d'heure de farm. Monter le minage et puis l'herbe. Pour cette dernière ce dernier quart d'heure. Histoire de mettre peut-être à 200, au moins le minage à 200. Désolé, je me suis absenté. Ah, très bien. Tu vas aller faire caca. Libéré. T'es livré. Il est peut-être allé faire caca. Est-ce rentable de farmer des cristaux arcaniques? C'est un peu long de l'avoir 100. Il y a un site web qui répertorie tous les trucs. Tous les prix de Norman Journal. Tu vas là-dessus, tu tapes dans... Enfin, tu sélectionnes ton serveur, hein, préalable. Là, il y a la liste. Moi, je suis sur Ijal par exemple, donc je tape Ijal, je mets Crystal Arcanite. Hop. Et là je vois que ça vaut à peu près 600 gold. Après à moi de savoir si je me déplace pour 600 gold ou pas. Et ça c'est propre à chaque serveur, hein, parce que les serveurs ne sont pas pareils, donc elles connectent uniquement parlant. Alors, on va faire quoi? Commandeur, prenez votre corps. L'enrichiste. Ok. Fourrer son broker, sérieux? What? Non. J'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Comment ça c'est pas répertorié? Bah si t'es sur serveur, c'est que tu peux appliquer le prix que tu veux. C'est plutôt chouette quoi. Mais il y a quand même un prix moyen. Il y a quand même un prix moyen, si tu n'as pas de prix moyen, c'est qu'il y a une coupe dans le patin. Le prix moyen te permet de savoir si c'est good ou pas, en fait. Pas forcément sur le prix actuel qu'il faut se baser. Bonjour Lily. Hello. Hello. Hello Lily. How are you today, Lily?
Are you good, Lily? Faire une importation et cocher ce que l'on veut pour info. Ouais. Ok. Je savais plus qu'il fallait faire une importation. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, cette add-on. Mais du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui viendra avec le même souci, c'est cool d'avoir fait un rappel, c'est cool. En train de me faire manger par une... Attends, en train de me faire manger par une araignée sur la bêta. Sinon, ça va tranquille. C'est cool, Léo. C'est cool, les araignées. Moi j'aime bien avec les longues pattes. Miam. Il me reste combien là encore? Peut-être 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Allez, on a encore 10 minutes de farm pour essayer d'avoir un maximum de points. Et je pense qu'on sera à la mi-chemin, hein, mine de rien. La prochaine fois sur Frida, je farmerai un petit peu de minage, je pense. Il faut vraiment que j'aille. Enfin, que je sois au moins 400 pour commencer à gagner un peu de gold. Ça sera l'objectif de la semaine prochaine. Enfin, de la semaine prochaine, du jour 4. Enfin, ça, c'est le jour 2 et le jour 3 en même temps. Tu joues que sur Rijal du coup? Non. Je joue sur plusieurs serveurs. Mon main il est sur Rijal. Mon économie principale elle est sur Rijal. Mais sinon je joue... Enfin j'ai des personnages un petit peu ailleurs aussi. Après, ça ne sert pas à grand chose d'avoir trop de serveurs. Hein. Enfin, en tout cas, je vois pas d'intérêt. C'est pas le concept de jour 2, jour 3, jour 4. Ben, en fait, je suis en plein défi avec Katsu. Mon petit défi, c'est d'arriver à 350 000 pièces d'or en 30 jours. Avec un personnage tout neuf, qui n'a rien, qui n'a pas de métier, qui n'a juste... eu qu'un sésame et je montre aux gens comment je procède pour y arriver, tout simplement les étapes, le fait que la première semaine c'est relativement long et qu'on va pas récolter beaucoup de sous, qu'il faut être patient, le côté construction d'un mini empire, hein, si j'ose appeler ça comme ça. Ce personnage va suivre évidemment son évolution. Il découvrira aussi la prochaine extension de mon Battle for Azeroth. Histoire de pouvoir montrer un petit peu ce qu'il en est. Des golds durant la prochaine extension. Mais là, le défi principal, c'est vraiment de gentiment faire ses 30 jours, de se financer son jeton. De montrer aux gens que n'importe qui peut arriver à financer son jeton en fait. Avec les bons outils, avec les bons add-ons, avec la bonne motivation. Ou alors, évidemment, au lieu de se farmer le jeton, bah, farmer 350 000 pièces d'or par mois. En jouant une heure par jour et pas plus. Chacun verra un petit peu ce qu'il a à apprendre, hein, évidemment.
faut juste monter les métiers au début, c'est long, mais ça ira plus vite quand tes métiers seront à jour logiquement, plus de récolte. Ouais, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut juste savoir quoi faire et dans quelle quantité. Et ainsi pouvoir le faire, hein, tout simplement. Il y en a certains qui vont peut-être suivre cette aventure en différé. Peut-être que ça va leur motiver aussi à le faire. Je sais pas. On verra bien. Peut-être que ça servira à quelqu'un, peut-être pas. Tant pis, moi je m'amuse. Si ça peut aider certaines personnes à y voir plus clair par rapport au... à la mise en place d'un petit empire, tout en jouant tranquillement et pas forcément try hard dans le jeu, sans forcément faire trop de choses non plus. J'aime bien ce concept pour montrer aux autres personnes que c'est donné à tous de le faire. Ouais. Bah, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'en pratique, les gens ils me disent, mais attends, mais c'est un peu de réalisme, quoi. Tu joues 5 heures par jour. Enfin, nous, on n'a pas tous autant de jeux. On n'a pas tout plein de personnages de niveau 110. On n'a pas... voilà, quoi. On n'a pas ce que tu as. Et ce qui est vrai, hein. C'est vrai. Mais... je prends en considération que quelqu'un débute de zéro. Et c'est ça qui va être chouette avec cette série, c'est que je vais pouvoir non seulement faire un premier temps les 30 jours, mais après faire une espèce de journal de bord pendant peut-être même 365 jours, et puis voir dans une année ce que j'ai construit avec ce perso. Peut-être que... j'arriverai même à investir dessus, non pas en termes de temps mais en termes de argent, que ça génère tellement de sous que qu'à un moment donné je vais peut-être me dire bon ok, maintenant je peux claquer un sésame pour avoir un deuxième perso, pour construire un empire vraiment petit à petit au lieu de l'Opex, etc. Enfin, c'est vraiment un peu une simulation de quelqu'un qui vient d'arriver sur le jeu et qui cherche à se faire du pognon dans le jeu. C'est dommage juste que ce n'est pas forcément un compte vierge, parce que alors là on aurait vraiment les données peut-être donc vraiment exactes. Bon, c'est un serveur vide, enfin c'est un serveur dans lequel je ne suis pas, c'est un serveur allemand, donc ouais. Début BFA, ça sera pas mal rentable de farmer à mon avis pour ceux qui vont rendre but dans leur empire. Bah comme d'hab quoi. Toute logique, évidemment. Plus que 1 minute de farm. Et après on mettra tout à l'hôtel des ventes, comme d'hab.
Et on déconnectera. C'est quoi ça? Ok, c'est un verre. Donc, objectif de 210 minages atteints. 180 en herbo, presque. Merci Soul. Reste encore 40 secondes. On va vraiment optimiser le truc à fond. Hein. On va jouer vraiment les timers. Voilà, 212. On gratte. Et si je peux gratter un petit point. Oui, aujourd'hui je fais 2 heures parce que je donne live, pas demain. Demain je prends ma journée. Voilà, 2 heures, c'est bon. Clap clap. On arrête le timer, on arrête de farmer. Tu comptes farmer avec quoi, mineur et alchi après? Quoi? Je suis pas alchi, je suis herbo mineur. Es-tu drogué? Vous avez une idée de combien de temps on passe en file d'attente pour Ashran? Beaucoup. Pas parce qu'il n'y a plus personne qui le fait. J'ai vendu un truc, j'ai vendu mes gangrechistes de tout à l'heure. Vous vous souvenez? J'avais acheté des gangrechistes à l'hôtel des ventes pour les remettre en vente. Enfin, ça vient de partir. Enfin, c'est parti en tout cas. Voilà, attendez, il y a du gris. On va jeter, hein, évidemment. Comment ça delete? Non. What the fuck? Si on a l'interface de Treski Master, en fait, on peut pas vendre au PNJ, c'est dingue. Non, pas ça. Ça non plus. Ça me sert à rien. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça sert à vendre. Elle est bizarre, machin et tout. Ça, je peux vendre. Il y a les objets pour l'hôtel de vente du fief, ouais. Mais qui valent une fortune. Après, il faudrait voir ce qu'il en est. Pour y avoir accès sans passer par le tag. Je sais pas si on peut. Ça m'étonne, mais bon. Du coup, Herbo et Mineur seront montés. Alors, du coup, quand Herber et Mineur seront montés, tu vas farmer quoi? Alors, je vais farmer de la saronite, du titane. Donc ça, c'est du côté de Wotelka. Côté cataclysme, je vais farmer du pyrium, de l'obsidium. Côté mop, ça sera de l'ectofer ainsi que du trillium.
Et je me ferai des petites sessions comme ça pour farmer, tout simplement. Des codes trimaxants, c'est normal, oui, depuis une heure maintenant. A BFA avec ton sésame, tu pourras toujours monter mining à BFA directement, vu la refonte des autres métiers en tranche. Toujours monter à BFA directement. Non. En fait, oui, je peux monter évidemment à Battle for Azeroth mon métier, mais mon métier de Battle for Azeroth. Je ne pourrais pas monter mon... Donc les extensions précédentes. C'est pour ça que je suis en train de monter déjà maintenant. Histoire de ne pas donc avoir de surprise. Groupe Herbo. Juste 30 secondes. Parce que Légion, il n'est pas pris en considération. Il n'a pas de groupe. Alors, il faut que je fasse ça. À l'opération aussi. 2 x 5. Dans minerai aussi, pareil. Sinon, j'arriverai pas à vendre. Groupe. Ils sont dans quoi? Minerai de tellurium. Dans groupe minerai. On est bien d'accord que ça c'est 2 x 5. 2 x 5, 48 heures. On va peut-être mettre 5 x 5, histoire que ça soit 25 directement. Merde. Delete. Voilà. 5 x 5. Ça me paraît pas mal. On va les remettre. Ça va, Katsu? Minerai de tellurium, ok, ça c'est bon, congrégiste pareil. Ok, cool. Bon ben on a posté 136 pour un total de 7... Non. Il y a juste celle-là, la sphère à 70 000 pièces d'or qui n'est pas bonne. D'ailleurs, je vais l'annuler et puis la mettre moins cher. Je vais la mettre en vente ici à 7 000 pièces d'or à peu près. 6 000 pièces d'or, allez. Si on la vend à 6 000, sincèrement, ça va être juste génial. 4 500. Hop, 24 heures. Crée une enchère. Paf. Si on arrive à la vendre, c'est juste extra. Mais bon. À voir. On a des roses. On a un petit peu de tout. Hein. On a pas mal de minerais. On a pas mal de choses. On a mis à l'hôtel des ventes, c'est cool. Quoi que les roses lumières étoiles, j'en ai mis que 40 à l'hôtel des ventes. Pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai que ça? Flante. Il n'a pas pris en considération les 5x5. En fait, tu farmes minerais et plantes et tu vends tout en compon brut. Dans le cadre du challenge, oui, parce que c'est la manière la plus simple de se faire des gold.
Mais ça, c'est dans le cadre du démarrage du petit défi. Hein. Ce que je fais sur IGEL, je le dissocie de ce que tu vois à l'écran avec Frida. Car ce n'est pas représentatif de ce que je fais. Là, moi, je suis à la recherche de gold, hein, tout simplement. J'ai même pas 1000 pièces d'or, il me faut des gold, donc oui, je vends, évidemment, les compos bruts. Maintenant, évidemment, sur IGEL, j'ai pas besoin de gold. Je transforme la matière pour me faire plus de sous, en fait. Ok, ça c'est bon. On a tout posté pour un total de 33 000 pièces d'or. Donc on va noter ça. Parce que j'ai de quoi noter. Notamment sur les réseaux sociaux. Attendez, hein, je suis en train de faire donc du coup le récap dans mon propre truc. Ajouter jour 2 et 3 achevé. Minage, on est à combien? Minage, on est à combien? On est à 212. Minage 212, herbo. Nombre d'enchères. On a combien de nombre d'enchères? 146. Valeur des enchères. On a pour 33 000, 33K. On a doublé la valeur de vente à l'hôtel de vente. Enfin, des objets à l'hôtel de vente. Gold, 935. Ok. Et puis maintenant, je vais transférer la capture d'écran des ventes que j'avais fait tout à l'heure. Ce PC, système, programme file, World of Warcraft, screenshot. Elle a trop de capture d'écran. Modifier, créer, modifier. J'ai juste vendu des roses lime étoiles en fait hier. Deux roses lime étoiles. Ok, ça maintenant je dois aller sur Discord. L'auto-envoyer, ça prend un petit peu de temps, hein. Désolé, je vois pas du tout le chat en plus.
télécharger. Voilà, comme ça je peux mettre ce qu'il en est. Donc jour 2 et 3, je fais minage 212, herbo 182, nombre d'enchères 146, valeur des enchères 33K. Et je vais mettre la rediffusion après, en lien aussi, comme ça au moins vous aurez la totale. Bref, je rattrape un petit peu le chat. Des bisous à Katsu. Salut Pierrot Marmotte. Et bon AFK, good wife. C'est bon, j'ai rien loupé en fait. C'est cool. Sur ça, alors j'ai rien loupé. Tout va bien. Les enfants, ça fait 5 heures que je suis en live. Je vais déconnecter ici. Le temps d'aller manger aussi un petit morceau. De profiter un petit peu de ma journée, de ma soirée, de mon week-end qui débute. Ah, ouais. Donc, je vous dis rendez-vous lundi après-midi pour un nouveau live. Donc, demain, il n'y aura pas de stream. Donc, pas de Frida. D'accord ? C'est pour ça que j'ai fait 2 heures aujourd'hui. Donc, ouais. Frida reviendra lundi après-midi. Entre temps, je connecterai Frida évidemment pour aller refresh un petit peu les ventes. Je rappelle, pour un débutant, c'est extrêmement, merci. J'ai bloqué, j'ai croché là sur le mot. Voilà. Extra. Non, c'est super important de... Enfin, pour un débutant ou non débutant, hein, il faut tout simplement scanner les notes des ventes, voir si on est moins cher, encore le moins cher ou pas. Et ouais, il faut retirer les enchères pour les remettre moins cher si au cas où on n'est plus trop concurrentiel. Donc voilà. Bon amusement à vous, bon week-end, amusez-vous bien. Je reste disponible évidemment sur Discord en privé. Ainsi que sur les réseaux sociaux s'il y a la moindre question pendant mon absence. Question intelligente, bien sûr. Oui, évidemment, ne me demandez pas combien font 1 plus 1. Voilà. Tu vas avoir 3 whisky pour te dire. J'aurais lancé l'idée. Allez, des bisous, bon appétit si vous passez à table, et à bientôt. Ciao!